Ok, donc bonjour à tous, c'est Radustatou. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière où je vais essayer de présenter les bases de Runeterra. Donc Legend of Runeterra, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de cartes de stratégie donc, qui a été créé par Riot Games, un peu comme League of Legends ou Valorant, qui sont aussi des jeux de cette entreprise. Donc le but de Runeterra, donc c'est un peu comme du Hearthstone. Donc c'était bah, de poser des cartes et de détruire les vies de l'adversaire pour gagner la partie. Donc dans un premier temps, je vais essayer donc, de présenter les decks. Alors on a plusieurs choix de decks qu'on peut construire nous-mêmes en déverrouillant des cartes. Donc par exemple, je pourrais en montrer un dans ce deck-ci. Voilà, donc ça c'est un deck que moi j'ai construit. Donc on peut choisir les cartes qu'on veut mettre, les cartes qu'on veut mettre en place pour créer notre propre stratégie et pouvoir gagner la partie. Donc en tout, on est limité à 40 cartes, dont 6 champions. Parce que donc il existe plusieurs types de cartes. Je vais te montrer ça. Hop. Alors, peut-être qu'on va faire comme ça. Voilà, comme ça. Donc il y a plusieurs types de cartes qui sont représentées par la rareté qu'on voit ici en bas. Donc tout d'abord, il y a les cartes légendaires. Donc c'est des cartes de champions. Donc les champions, on va dire que dans 95% du temps, ce sera des cartes qui vont être le centre de toute notre stratégie. Par exemple, on a Elise qui va jouer avec des cartes araignées, par exemple, si je tape araignée. Voilà, toutes ces cartes-là vont être très fortes avec Elise, vu que c'est une carte qui, voilà, par exemple, pour évoluer, il faut qu'elle ait déjà des araignées, donc c'est déjà des cartes comme ça. Après, on a d'autres shampoings un peu plus complexes, on va dire. Je prends par exemple l'exemple de Shen. Shen, lui, c'est un perso qui va jouer beaucoup autour des cartes avec barrière. Donc, je vais présenter après ce que c'est les différents mots-clés. Mais donc, voilà, les champions, ils ont besoin d'avoir un deck qui tourne autour d'eux pour pouvoir gagner une partie plus facilement. On avait quand même pas mal. Au début, ils n'avaient quoi? Ils n'avaient 20 champions, je pense. Un peu plus de 20. Et ils ont commencé, il y en avait 4 par région, donc ouais, ils vont en avoir 20 à peu près. Et là, ils en ont rajouté vraiment beaucoup. Il y a eu Fizz, Zoé par exemple, Lucian. Enfin, Lucian, il était déjà, je crois. Il y a eu Zilean, Aphelios, enfin, vraiment, il y en a eu plein qui ont été rajoutés en un an et demi. Parce que le jeu est sorti en janvier l'année dernière. Du coup, ils ont vraiment bien bossé sur les champions entre-temps. Voilà, on a vraiment beaucoup. Ensuite, on a des cartes classiques, donc avec un petit rond vert. Donc, ça, des cartes qui ne coûtent pas très cher, qui sont faciles à déverrouiller. On va dire que la plupart du jeu, elles constituent allez, on va dire 40% de notre deck, étant donné qu'elles sont assez faibles mais très polyvalentes. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Ensuite, on a des cartes. Alors, est-ce que je peux en trouver une? Voilà, celle-là. C'est une carte rare. Ouais, ici en bas, c'est bleu. Donc, là, elle coûte un peu plus cher. On en a souvent à peu près 9 cartes comme ça dans un deck. Elles servent à tenir un peu ce mid-game et pouvoir mettre plus facilement en place sa stratégie avec le champion, c'est-à-dire qu'elles ont des bonus plus intéressants. Ensuite, on passe aux dernières cartes qui sont les plus rares, donc c'est-à-dire par exemple celle-ci. Donc là, c'est les cartes. Je sais même pas c'est quoi ce. C'est juste en dessous de légendaire. Je sais plus trop ce qu'on appelle ces cartes-là. Mais donc elles coûtent assez cher, mais elles ont des effets pratiquement aussi forts que certains champions, si ce n'est plus pour certaines. Et il y a même certains decks qui tournent autour que de ces cartes-là. Donc vraiment, elles sont pas du tout à négliger. Souvent on en a à peu près 6 dans un deck. Elles sont très très utiles, notamment pour tenir le late game. Ou alors pour mettre en place une stratégie. Donc celle-là coûte 1, mais c'est une carte ultime. Enfin, je crois qu'elle s'appelle ultime, celle-là, je sais plus. Mais c'est une carte assez rare, du coup on peut mettre en place des stratégies dès le départ. Et après on en a d'autres qui sont un peu plus chères. Je vois par exemple celle-là. Celle-là elle coûte très cher en partie, en fin de partie. Donc les différentes cartes elles sont réparties entre les différentes régions qu'on trouve ici. Donc au début il y avait juste Demacia, Noxus, Piltover, les Îles Obscures, Ionia et Freljord. Ils ont fait ensuite 3 extensions, donc on retrouve ici. Il y a eu l'extension de Bilgewater, l'extension du Mont Targon et l'extension de Shurima.
Donc là, on va arriver bientôt à la saison 4, enfin saison 4, on va dire à la quatrième extension, qui, à mon avis, ça devrait être le néant. Je pense pas que ce soit Ishtal, parce qu'Ishtal, il n'y a pas assez de champions dans cette région, et elle est assez proche de... Comment dire? Elle est assez proche de Shurima. Donc je pense pas qu'ils vont faire Ishtal, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Je pense plus qu'ils vont se pencher sur le néant. On a déjà Rek'Sai qui vient d'arriver en carte jouable. Rek'Sai qui pourrait justement introduire ces êtres du néant. Et je pense que ça serait justement une bonne continuité après l'événement de Shurima. Étant donné que Shurima et le néant ont une région, sont des régions assez proches et ils ont une histoire commune. Donc voilà. Ça c'était la petite théorie personnelle. Après, on va dire que chaque région apporte son lot de mécaniques. Demacia, c'est vraiment du buff d'unité. On buff ses unités avec des trucs défensifs comme du robuste, des buffs de défense. Et on buff toute notre armée. On va essayer de se créer une grosse grosse armée avec Demacia qui se buff entre eux. C'est aussi des unités souvent qui peuvent attirer les ennemis pour forcer des combats avec certains mots-clés que j'expliquerai après. Fragile de son côté, il a des unités très très puissantes. Souvent des unités avec 5, 6, voire même 7 de dégâts. Et c'est des mécaniques basées sur le gel, donc c'est-à-dire empêcher l'ennemi d'attaquer un maximum. Et des decks un peu plus spéciaux avec des races d'animaux. Enfin, par exemple, on a par exemple des decks avec des yétis, toutes des choses comme ça, qui permettent de changer un petit peu les mécaniques de base du jeu où on ne prend pas du tout de champion. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus où je montre quelques decks avec. Il n'y a pas de champion, donc des decks sans champion. Et dedans, donc il y a des decks avec les vaches, les yétis, toutes ces choses-là, les poros. Donc vraiment, faire une région très intéressante. Ensuite, Chionia, région un peu mystique, là, donc forcément qui est basée sur beaucoup de sorts. Donc des sorts de renforcement, des sorts d'annulation, et des unités qui se multiplient entre elles. Donc un peu comme Demacia, c'est-à-dire on va essayer de créer une grosse armée. Mais à l'inverse de Demacia, les unités ne sont pas forcément buffées entre elles, mais elles seront buffées grâce à des sorts. Ensuite, donc Noxus. Noxus, c'est un peu plus. C'est un peu comme Demacia, on va essayer de créer une grosse grosse armée. Mais là, ça va vraiment être axé sur les dégâts qu'on va faire au Nexus. Donc avec de la surpuissance et des sorts qui font des dégâts au Nexus. Donc on est vraiment là pour taper fort et pour gagner la partie très vite. Piltover, c'est un peu plus complexe, ça me fait un peu penser à Ionia. C'est un peu un mélange entre Noxus et Ionia. On a des cartes très fortes pour taper le Nexus, et en même temps beaucoup de sorts offensifs et défensifs. On va dire que Piltover, souvent, c'est des decks qui peuvent se terminer très vite si on arrive à mettre en place notre stratégie. Donc c'est un deck qui va se construire au fur et à mesure, en fonction des cartes qu'on va placer. Et si on arrive à trouver les bonnes cartes au bon moment, on peut vraiment devenir très très puissant dès le début. Ensuite, les îles obscures, c'est un peu, comment dire, on va essayer de tuer nos propres unités, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est un deck où vraiment ça tue beaucoup d'unités, que ce soit les nôtres ou celles des ennemis, et c'est vraiment un deck qui est en quelque sorte basé sur la mort, quoi. On va vraiment essayer de tuer un maximum d'unités et de gagner en essayant de détruire le deck de l'adversaire. Ensuite, Shurima, bon, ça c'est une région qui vient d'arriver, j'ai pas trop encore vu de deck qui marche. On va dire que Shurima, c'est vraiment un deck ultra late game, avec des champions qui peuvent évoluer jusqu'au niveau 3 pour la plupart, et qui permettent de... On va dire que si on arrive au-delà du tour 8, j'expliquerai après ce que c'est les tours, mais si on arrive au-delà, vers la fin de la partie, on devient très très puissant, voire imbattable pour certains. Et enfin, Targon, c'est un peu comme Piltover, c'est des decks qui vont être très durs à mettre en place, mais si on y arrive, bah, franchement, on peut gagner la partie assez facilement. La différence de Piltover, c'est que Piltover a des cartes très faibles en coût, alors qu'à l'inverse, Targon a des cartes très chères en coût. Ou alors des stratégies qui mettent énormément de temps à se mettre en place. Contrairement à Piltover, on peut gagner des parties, arriver au tour 6. Targon, c'est très rare qu'on y arrive avant le tour 6, parce que c'est vraiment des stratégies et des cartes qui coûtent très très cher, avec des dragons qui coûtent 7 ou 8 de mana. Donc vraiment, c'est assez dur de gagner en early avec Targon. Et ensuite, on a Bilgewater, donc qui a ramené une mécanique un peu spéciale avec le pillage, où là, c'est un peu comme Nexus, on va essayer de taper le Nexus. Mais à la différence, on va pouvoir buff nos unités grâce à ça. Donc, en tapant Nexus, on pourra buff nos unités.
et même voler des cartes adversaires. Alors j'ai un peu présenté les différentes régions, je pense j'ai fait un peu le tour. Alors ensuite, donc comment est-ce qu'on peut déverrouiller des cartes? Donc bah, c'est assez simple, on va dire il y a trois moyens de déverrouiller des cartes. La méthode que je conseille le moins forcément, bah, c'est de mettre de l'argent pour pouvoir acheter des jokers de cartes. On ne peut pas acheter des cartes directement, on peut acheter des jokers. Donc joker épique pour les cartes typiques et ainsi de suite. Je conseille pas forcément, j'en ai jamais acheté. Alors on arrive très bien à se débrouiller sans. J'ai commencé le jeu il y a presque un an et demi et j'ai quasiment aucun problème pour avoir toutes les cartes. Ça prend un peu plus de temps, mais il m'en manque pas beaucoup, j'en ai quand même pas mal. Je pense même qu'avant l'extension qui vient d'arriver, l'extension de Shurima, je les avais toutes. J'avais toutes les cartes disponibles. Bon là forcément il me reste encore à déverrouiller certaines. Mais ça devrait venir très vite. Ensuite, donc la deuxième méthode, c'est bah, tout simplement de jouer tes parties pour déverrouiller des récompenses, donc avec des points d'XP. Voilà. Des capsules, on peut gagner des cartes de champion, on peut vraiment gagner tout ce dont on a besoin. Et donc pour gagner de l'XP, bah, soit on gagne des parties même si on en perd, ou alors après on a des missions pour gagner un peu plus d'XP, genre là, je peux gagner 1000 d'XP. Je vois qu'il me manque à peu près 800 d'XP, donc si jamais je fais cette mission, j'aurai la capsule spéciale qui me donnera des jokers pour acheter des cartes. Voilà, et donc ensuite, bah, c'est tout. Après, on a aussi les essences. Donc les essences qu'on récupère justement en finissant des missions dans des coffres, ou alors avec nos quêtes journalières. Donc les coffres qui sont là, déverrouillés tous les jeudis. Et donc, bah, on peut déverrouiller des cartes comme ça. Par exemple, éléments possédés. Par exemple, celle-là, je ne l'ai pas. Elle coûte soit un joker, donc on voit que j'ai trois jokers classiques, ou alors je peux payer avec les 100, avec 100 essence. Donc je verrouille, et voilà, j'ai déverrouillé une carte. Faut savoir qu'il y a trois exemplaires de chaque carte disponible, qu'on peut mettre dans un deck, pas plus, ici en bas. Et par exemple, si on veut créer un deck. Donc, je vais supprimer celui-là. Un nouveau deck. Voilà, donc là on peut vraiment choisir les cartes qu'on veut. Les seules limites qu'on est imposées, c'est déjà on est limité à 40 cartes, dont 6 cartes de champion. Donc là je vais mettre 3 Teemo et je vais mettre 3 Fizz. Voilà, là je peux plus mettre de champion. Là j'essaye, ils me mettent en rouge et je peux pas valider le deck. Donc hop, on est obligé de mettre que 6 champions. Et ensuite, donc, on a le choix pour mettre 34 autres cartes. Bah, du coup, autre que les champions, par exemple celle-là. Voilà. Et ensuite, la deuxième limite qu'on a, c'est qu'on peut mettre que deux régions différentes. Par exemple, je peux mettre que du. Par exemple, là, j'ai du Piltover. Si je choisis de mettre du Ionia, je pourrais pas mettre des cartes de Noxus, je pourrais pas mettre des cartes de Demacia, je pourrais pas mettre des cartes de Shurima. J'aurais le choix que de mettre des cartes soit du Ionia, comme là, soit des cartes de Piltover, mais je pourrais mettre que deux régions différentes. Donc d'un côté ça permet de développer une stratégie avec deux régions. On peut aussi faire qu'une seule région hein, si c'est possible, mais je pense deux régions c'est quand même plus rentable. Après, ça dépend nos choix, mais on est limité à deux régions et à 44 maximum, dont 3 par champion, enfin 3 par carte. Voilà. Ensuite, donc au niveau des decks en partie, il y a différents types de decks en fonction du style de jeu qu'on a. Moi, je sais que j'aime bien gagner l'early game, donc j'aime bien les cartes qui ont beaucoup d'impact en début de partie. Donc je pense par exemple à des decks avec Elise qui pose plein d'araignées qui n'ont pas beaucoup de coups, des decks avec Draven Jinx. Et ensuite, on a par exemple des decks avec la nouvelle extension Rek'Sai Pyke. Alors, on va peut-être pas forcément gagner la partie directement en début de partie, mais on peut vraiment se mettre très bien et prendre l'avantage très tôt avec un deck avec Rek'Sai et Pyke. Ensuite, on a par exemple plus mid-game. Donc là, c'est quand on arrive au-dessus du tour 6, je dirais. Donc au-dessus du tour 6, il y a des decks par exemple comme Queen MF, Leona Yasuo. Ou encore Yasuo Katarina par exemple.
même des decks avec Fiora si on a de la chance en early, où on peut gagner entre le tour 6 et le tour 10. Et ensuite on a des decks très très late game, donc des decks qui vont mettre du temps à se mettre en place. Moi personnellement j'aime pas trop ce genre de deck là, où on vraiment en galère pendant tout le début de la partie. Donc par exemple il y a du Aurélien Sol, Shyvana, il y a quoi d'autre après? Il y a Nautilus Maokai, il y a Tryndamere Anivia, il y a par exemple Karma Emerging Yar aussi. Et plus récemment, il y a les decks avec Lissandra et Malphite. Donc là, c'est vraiment des decks, par exemple, on voit Malphite qui coûte très très cher. Enfin, tous ces coûts-là coûtent très cher. Et il faut vraiment espérer pas tomber contre des decks justement early. Par exemple, si on joue Aurélien Sol Shyvana, si on tombe contre Elise ou contre Draven Jinx, on a de très très grandes chances de perdre très tôt. Et on pourra pas faire grand-chose contre ça. Ensuite, donc là, je vais essayer d'expliquer les mots-clés. Alors, les mots-clés, il y en a beaucoup, il y en a qui sont rajoutés avec le temps. Au début, il n'y en avait pas énormément, il devait y en avoir à peine une petite dizaine. Mais ils ont fini par en rajouter. Alors, j'ai peut-être en oublié certains dans le tas. Après, je vais essayer de les présenter plus tard dans d'autres vidéos. Alors, il faut savoir que dans Legend of Runeterra, quand on voit un plateau, par exemple le plateau... je vous montrerai après, mais on peut placer nos cartes pour qu'elles attaquent. Et en fait, l'ennemi et nous, on attaque au tour par tour. C'est-à-dire que si je pose une carte, l'ennemi peut poser une carte. Si je pose rien, l'ennemi peut choisir de rien poser ou de poser quelque chose. Mais si on pose tous les deux rien, ça passe au tour suivant. C'est-à-dire que si je fais une action, l'ennemi peut toujours répliquer, à part certains cas un peu spéciaux que je vous montrerai tout à l'heure. Mais on va dire que dans 90% du temps, si je fais une action, l'ennemi peut faire la même action. Donc par exemple, si je pose une unité, l'ennemi peut répliquer avec un sort ou avec une autre unité. Si je pose un sort, l'ennemi peut répliquer avec un sort. Et ainsi de suite. Donc au niveau des mots-clés, on a par exemple insaisissable. Donc quand on attaque, parce qu'en fait il y a toujours un tour d'attaque et un tour de défense. Quand on décide d'attaquer avec une unité, l'ennemi peut mettre une carte devant elle pour pas qu'on tape le Nexus, et pour qu'on tape son unité à la place. Donc en gros, il bloque notre unité, il empêche de taper son Nexus. Les unités insaisissables ne peuvent pas être bloquées autre que par une autre unité insaisissable. Donc par exemple, si jamais moi je pose un Teemo, que j'attaque avec Teemo, que l'ennemi il attaque avec une Zoé, enfin qu'il bloque avec une Zoé, pour me contrer parce qu'ils sont tous les deux insaisissables, et bah du coup ils vont tous les deux se taper. Mais par exemple, si l'ennemi avait Janna, et que moi j'attaque avec Teemo, vu que Teemo est insaisissable, Janna ne pourra pas le bloquer. Donc Teemo va forcément attaquer le Nexus. Voilà. Ensuite, on a un autre mot-clé, donc c'est frappe rapide. Donc normalement, quand un ennemi attaque et quand un ennemi bloque, il frappe en même temps. Donc par exemple, si Zoé et Teemo se tapent en même temps, ils vont tous les deux mourir, vu qu'ils ont un de défense et un d'attaque. Donc s'ils se tapent, ils sont trop chocs entre eux, les deux cartes vont mourir. Mais par exemple, si Janna... elle décide de taper Lucianne avec la frappe rapide, donc en attaque, elle va frapper avant lui. Donc c'est-à-dire que Janna va frapper Lucianne, Janna qui a 2 de PV, il va mourir, et du coup Lucianne ne va pas frapper Janna. Et à l'inverse, par exemple, si Lucianne attaque avec frappe rapide, que Janna est en défense, Janna n'a pas l'effet frappe rapide vu que ça marche qu'en attaque. Donc du coup, Lucianne pourra la frapper, et Janna ne pourra pas, vu qu'il va frapper avant elle. Donc Lucianne ne va pas mourir. Alors que si jamais il n'avait pas les frappes rapides, il se taperait en même temps, et les deux cartes mourraient. Voilà. Ensuite, on a Redoutable. Donc c'est un mot-clé qui est assez spécifique aux unités obscures. Donc la carte peut uniquement être bloquée par des ennemis ayant une puissance de 3 ou plus. Donc la puissance est ce cas-là. Donc par exemple, si j'attaque avec Elise, si je pose Elise en attaque, si l'ennemi il a un Zilean, ou s'il a un Teemo ou un Fizz, il pourra pas bloquer Elise, parce qu'Elise est redoutable, du coup elle peut être bloquée que par les ennemis qui ont une puissance de 3, ou plus. Donc, par exemple, je pourrais être bloqué par Lucianne. Par Lucianne ou par d'autres cartes, Draven, toutes les cartes qui ont plus de 3. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre. Et c'est très fort du coup en early avec Elise, parce que ses autres araignées ont aussi redoutable. Du coup, si elle attaque avec plein d'araignées dès le début, que l'ennemi il a que des cartes faibles avec 2 d'attaque, il pourra pas bloquer Elise, et du coup Elise pourra taper votre Nexus, enfin le Nexus ennemi,
gratuitement. Ensuite, donc insaisissable, frappe rapide. Donc ça, c'est des mots-clés qui sont assez faibles en... Enfin, c'est des cas qui coûtent très peu en main, la plupart du temps. Ensuite, on a Challenger. Donc Challenger, c'est un mot-clé qui est quasiment unique à Demacia. Donc, quand on attaque avec une unité, par exemple là, j'attaque avec Fiora. Si cette unité, normalement, elle devrait pouvoir choisir de qui bloquer. Donc, par exemple, si jamais moi je pose Fiora en attaque, l'ennemi il a Zoé et une autre carte, n'importe laquelle, Victor par exemple, et ben, il pourra choisir de bloquer soit avec Victor, soit avec Zoé. Donc, tout bêtement, il va choisir de bloquer avec Victor, parce que Victor a plus de résistance que Zoé, et il pourra survivre à Fiora et la tuer. Par contre, vu que j'ai l'effet Challenger, c'est moi qui vais choisir qui va me bloquer. Donc j'attaque avec Fiora et je sélectionne la Zoé ennemie pour que ce soit elle qui me bloque et pas le Victor ennemi. Donc en gros, on peut choisir qui nous bloque en fait. On a le choix au lieu de laisser l'ennemi choisir. Donc c'est très fort pour bah, du coup tuer des unités que l'ennemi aimerait économiser et pour pouvoir choisir nos cibles en attaque. Donc Fiora, je crois que c'est même l'un des rares qui a cette Challenger en champion. Donc après, souvent les mêmes mots-clés qui reviennent, frappe rapide, redoutable, toutes ces choses-là. Ensuite, on a Robuste. En Robuste, c'est un mot-clé qui marche très bien sur bah, Lissandra, du coup, et Vladimir. Ça réduit juste de 1 point de dégâts tous les dégâts qu'on va prendre. Par exemple, si un sort, un champion, ou n'importe quoi d'autre va nous mettre 3 points de dégâts, vu qu'on a l'effet Robuste, il va nous mettre que 2 points de dégâts en fait. Donc c'est-à-dire que pour me tuer ma Lissandra, il ne doit pas mettre un sort avec 3 de dégâts, il devra mettre un sort avec 4 points de dégâts. Voilà, donc c'est simple à comprendre. La puissance de ce bonus, on va dire, c'est par exemple qu'il y a des cartes qui ont un effet, par exemple, je. Par exemple, prends le boomerang. Non, c'est pas le boomerang, c'est Ricochet la carte. Par exemple, Ricochet. Voilà, cette carte-là, elle va infliger 5 fois 1 point de dégâts, réparti aléatoirement. Imaginons que j'ai que Lissandra. Normalement, s'il met 5 points de dégâts sur ma Lissandra, il va la tuer, vu qu'elle a que 3 de PV. Mais vu qu'il fait 5 fois 1 point de dégâts, et que moi je fais toujours 1 point de dégâts en moins sur chaque attaque, et ben en fait il va me taper 0. Enfin, je sais pas si on comprend très bien. Mais en fait, vu que la carte ne fait pas 5 points de dégâts, il n'y a pas écrit infliger 5 points de dégâts. Il écrit infliger 5 fois 1 point de dégâts. Et que Lissandra, avec le bonus robuste, elle subit 1 point de dégâts de moins de toutes les sources. En fait, il va taper 1, 1, 1, 1. Et pour moi, ça va faire 0, 0, 0, 0. Voilà, tout simplement. Alors que par exemple, s'il avait une carte, je sais pas moi. Rayon. Je sais pas s'il y a une carte qui s'appelle Rayon, il me semble que oui. Par exemple, ça, c'est un mauvais exemple. Par exemple, cette carte-là, infliger 3 points de dégâts. Là, il est bien écrit infliger 3 points de dégâts directement. Du coup, avec le bonus robuste, bah, je vais taper 2. Enfin, je vais faire 2 dégâts à Lissandra. Voilà, donc, c'est assez complexe à comprendre, mais une fois qu'on a compris le truc, le fait que ça fasse 1 point de dégâts en moins, ça marche plutôt bien. C'est assez utile sur des champions, justement, qui frappent leurs propres unités. Donc, je pense à des decks avec Vladimir, tout ça, où ils frappent leurs propres unités. Et du coup, on peut résister. Ensuite, il y en avait un autre. Donc, après, c'est le bonus rôdeur. Donc, ça, c'est un bonus qui vient à l'instant de mettre avec le nouveau pass. Donc, bonus rôdeur, attaquer au sommet de votre. Si vous attaquez alors que je suis au sommet de votre deck, je rôde ce qui est en 3 plus 1 à tous les rôdeurs alliés où qu'ils soient. Une fois maximum par round. Alors, ce bonus, il est très spécifique à Pyke. Et à Rek'Sai. Comment expliquer? Par exemple, si j'attaque avec Rek'Sai, si je mets Rek'Sai en attaque, et que la prochaine carte dans ma pioche, qui est une carte rôdeur, je vais gagner plus 1, définitivement. Par contre, si jamais la prochaine carte de mon deck, elle n'a pas le bonus rôdeur, je ne gagnerai pas le bonus. Donc des bonus rôdeurs, il y en a quand même beaucoup. Donc il y a ces cartes-là. Par exemple, si j'attaque avec Rek'Sai et que la prochaine carte dans ma pioche, donc la prochaine carte que je vais piocher, c'est celle-là, ben je vais gagner plus 1. Et il n'y a pas que Rek'Sai, c'est toutes les cartes rôdeurs qui vont gagner plus 1. C'est pour ça que j'ai dit plutôt que Rek'Sai Pyke c'était un deck très early game, parce que vu qu'ils ont le bonus rôdeur,
eh bien, ils vont pouvoir se stacker très vite dès le début toutes ces unités. Ah, donc voilà. C'est une autre unité qui a le bonus Challenger. Alors, il n'est pas toujours marqué en toutes lettres. Hein. Là, on voyait marqué en toutes lettres le bonus. Mais quand, quand une unité a plusieurs bonus, ils mettent juste le signe pour éviter que ça prenne trop de place. Donc là, donc, on a le bonus Challenger donc pour choisir l'unité qui va nous bloquer. On a déjà vu plus tôt. Et ensuite, on a le bonus Régénération. Alors, Régénération, c'est tout simple. Quand le round est fini, quand on ne peut plus attaquer, quand on n'a plus de mana, quand on décide de passer le round tous les deux pour passer au prochain et récupérer notre mana, l'unité va récupérer tous ses HP. Donc, par exemple, Brome, imaginons, j'ai des cartes pour l'avoir buff, je l'ai mis à 20 HP, il prend 10 de dégâts pendant le round. À la fin du round, une fois qu'on a passé, et au début du prochain, il va récupérer les HP qu'il aura perdu, donc il va repasser de 10 HP à 20. Bon là, il est à 5, hein, forcément, mais par exemple, en fin de partie avec un bro, on peut facilement arriver à 20 HP. Donc par exemple, là, si jamais je le pose, il prend 4 points de dégâts, fin du round, il se régène, il récupère ses 5. Voilà, donc c'est tout simple, juste la carte se régène à la fin du round. Ensuite, je pense que c'est tout. Ah non, après, il y a aussi bonus surpuissance. Surpuissance, imaginons, j'attaque avec Renekton. L'ennemi qui me bloque, c'est par exemple Pyke. Normalement, quand un ennemi attaque une autre unité, il tape pas le Nexus. Le Nexus, il est protégé quoi qu'il arrive, qu'importe les HP du bloqueur. Mais avec le bonus surpuissance, le surplus de dégâts que je vais faire à Pyke, c'est-à-dire un point de dégâts, vu que je vais lui taper 4 et qu'il a 3 HP, donc je vais tuer Pyke en le tapant, et le 1 point de dégâts que j'aurais pas fait sur Pyke, vu qu'il a 3 de PV, bah je vais le faire au Nexus. C'est-à-dire que les surplus de dégâts que je vais faire vont être redirigés vers le Nexus. Par exemple, imaginons, j'ai 10 d'attaque avec Renekton, en le buffant. Si Pyke me bloque, je vais le tuer, et je vais faire 7 points de dégâts Nexus en plus. Voilà, donc c'est tout simple, juste le surplus de dégâts qu'on fait est redirigé vers le Nexus. Après, donc, il reste encore 3, je pense. Il y a le bonus Fureur. Donc le bonus Fureur, bah, quand on tue une unité avec une unité qui a Fureur, elle gagne plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, tout simplement. Et ensuite, on a le bonus augmentation. Donc quand on joue une carte qui a été créée, alors les cartes créées, il y a des cartes de sort qui permettent de faire ça, des cartes de champion, des cartes des unités. C'est toutes les cartes qu'on peut créer. Par exemple, comment dire? J'ai essayé de la trouver. Voilà, c'est par exemple celle-là. Créez dans votre main une carte aléatoire d'un coup de 2 provenant de l'une de vos régions. Ce coût est de 0 pour ce round. La carte qu'on va créer grâce à ce sort, elle compte comme une carte créée. Du coup, si je lance ce sort et que je lance la carte qui va ensuite être créée, et ben, ça va activer le bonus d'augmentation. Et donc, ben, du coup, toutes les unités qui ont le bonus augmentation comme Victor vont gagner plus 1 d'attaque. Donc là, il va passer de 2-4 à 3-4. Tout simplement. Il y a plein de cartes qui permettent de créer, d'en créer d'autres. Donc la Garen qui a aussi régénération comme Brome, qui peut se régénérer à chaque fin de round. Et puis voilà, donc c'est lui que je pensais. Donc Éclaireur. Donc là c'est un bonus qui est propre à... à Queen. Donc c'est-à-dire qu'on peut attaquer deux fois. Par exemple, si j'attaque qu'avec les unités Éclaireur, donc Éclaireur, il y en a plusieurs quand même. Éclaireur. Voilà. Donc si j'attaque par exemple avec cette carte-là, et une Queen, avec ces trois cartes-là, je pourrais attaquer une deuxième fois. Je vais regagner un jeton d'attaque, et je pourrais attaquer deux fois au lieu d'une seule fois. Parce que normalement, on peut attaquer qu'une seule fois par round. Mais il faut bien attaquer qu'avec des éclaireurs. Voilà, la première fois qu'un éclaireur attaque seul, à chaque round, préparez votre attaque. Donc si on attaque qu'avec des éclaireurs, on pourra réattaquer après. Ah bah tiens, j'en profite, un autre bonus, donc là c'est le bonus barrière, que je parlais tout à l'heure avec Shen, annule les prochains dégâts que l'unité devrait subir. Tout simplement, on attaque avec une unité qui a barrière, si un ennemi la tape, ou alors un sort ou n'importe quoi, si elle devrait prendre des dégâts, du coup ça va annuler les dégâts qu'elle devrait prendre. Mais ça marche qu'une seule fois. Donc, par exemple, s'il lance deux sorts de dégâts, je vais annuler le premier, mais j'annulerai pas le deuxième.
Voilà, donc ça va être de se protéger d'une attaque à venir. C'est tout simple. Et il me semble que c'était le dernier. Barrière robuste. Enfin, donc robuste. Très utile, notamment sur des tanks. Ainsi que le dernier mot-clé dont je pourrais parler après, c'est pas vraiment un mot-clé. C'est plus. Bah, c'est quand même un mot-clé. Éphémère. Ouais, donc le mot-clé éphémère, qu'on voit ici, ça fait que l'unité qu'on va mettre à la fin du round, ou à la fin du quand elle va frapper un ennemi, elle va mourir tout simplement. Donc par exemple, si jamais j'attaque avec cette unité, elle va taper le Nexus, et immédiatement après elle va mourir, elle va disparaître. Et si à la fin du round je n'ai pas tapé avec, elle va quand même mourir. Donc ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça de poser des unités qui meurent juste à la fin du tour. Mais il y a des decks qui fonctionnent comme ça. Par exemple avec, comme j'expliquais au début, les Aes Obscur où ça marche beaucoup avec des unités qui meurent entre elles. Donc ça peut paraître un peu bizarre de jouer comme ça, mais c'est un mot-clé qui marche plutôt bien avec certains champions. Et ensuite on a le mot-clé blocage impossible, donc c'est pas vraiment un mot-clé bonus on va dire. C'est plus un mot-clé malus qu'on impose à une unité qui est beaucoup trop forte. Donc ça juste empêche l'unité de bloquer. Donc, par exemple cette unité là, elle peut attaquer, mais elle ne pourra pas défendre, elle ne pourra pas bloquer un ennemi. Et par exemple on a une autre carte qui marche pareil. Oula, j'ai du mal à écrire. Là, les autres, alors je sais plus trop où est-ce qu'elle est. Il me semble qu'elle est Noxus. J'essaie de la retrouver. Il y a une carte qui fonctionne exactement pareil, mais dans le sens inverse. Il me semble qu'elle coûte 1. Qu'elle est de Noxus. De toute façon, il y a que Noxus qui a ce genre de mot-clé où on ne peut pas attaquer. Voilà, c'est ça. Non, ça c'est empêché de bloquer. Il me semble qu'il y en avait une où elle ne pouvait pas attaquer. Ah non, c'est Bill Jouateur, je me rappelle, je vois c'est laquelle. Je vois c'est laquelle. Elle est où? Ah, c'est celle-là. Voilà, immobile. Donc là, il y a attaque et blocage impossible. Donc cette unité-là, elle va rester dans nos unités placées, mais elle ne pourra ni attaquer ni bloquer. Voilà. Il me semble que c'est la seule carte qui est immobile de tout le jeu. Et après, bah, après t'as les barils de poudre. Qui sont aussi un peu spéciales, qui fonctionnent avec Gangplank, et qui du coup ne peuvent pas être bloqués. D'ailleurs, je viens d'y penser, il y a un autre mot-clé aussi. Donc c'est ce mot-clé-là. Vulnérabilité. Là, c'est exactement l'inverse du grappin qu'on avait vu avec Fiora. Vulnérabilité, c'est l'inverse. Avec la provocation, on peut choisir qui va nous bloquer. Donc par exemple, je pose une Fiora qui a le truc de provocation, et je choisis l'unité ennemie qui va la bloquer. Avec la vulnérabilité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'attaque, et par exemple, si cet ennemi a cette carte-là, je peux la prendre et la forcer à me bloquer. Donc c'est un peu complexe à comprendre, mais on va dire que, en fait, cette carte-là, si on l'a avec nous, l'ennemi peut choisir quand elle va nous bloquer, quand ça va la bloquer. C'est un peu bizarre à expliquer, mais... En fait, c'est comme si l'ennemi, quand il attaquait et que nous on avait cette carte, il pouvait provoquer cette carte n'importe quand, sur n'importe quelle unité. Alors, donc, elle va souvent se faire tuer très vite. Alors, du coup, je pense qu'on a fait le tour des mots-clés, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres du tout. Bon, je verrai peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Ensuite, on va passer aux sorts. Alors, les sorts, c'est... Il y en a trois types différents qu'on retrouve. Alors, il y a les sorts instantanés. Les sorts instantanés, c'est des sorts qui se lancent instantanément. C'est comme je disais tout à l'heure, souvent l'ennemi, quand on lance un sort, on pose une unité, et dès qu'on fait une action, l'ennemi pourra répliquer. La seule, on va dire, exception à la règle, c'est ces cartes-là. Les cartes instantanées, dès qu'on les pose... Ça va agir directement. L'effet va agir, l'ennemi ne pourra rien faire.
Par exemple, si je me pose cette carte-là, inflige un point de dégâts au Nexus ennemi, je lance ce sort, l'ennemi ne pourra rien faire pour répliquer. Donc ça va forcément faire un point de dégâts au Nexus ennemi. Ensuite, on a les cartes rapides. Donc les cartes rapides ont drainé 4 PV à un allié. Si je lance ce sort, l'ennemi pourra répliquer avec un autre sort. Il ne pourra pas poser d'unité, mais il pourra poser des sorts. Donc par exemple, je pense par exemple à Ionia. Ionia qui est très forte pour ce genre de choses. Par exemple, si je décide de lancer Étourdissant l'ennemi pour invoquer un dragon, il pourra poser cette carte-là qui va bloquer un sort rapide ou lent. Et donc, du coup, il pourra annuler ce sort-là. Ou alors, il pourra par exemple lancer ce sort, celui-là, Marque de la mort. Ou alors lancer des sorts instantanés. Il pourra lancer que les sorts instantanés et les sorts rapides pour contrer. Et donc, du coup, il y aura une sorte de mini battle de sorts où l'ennemi et nous, on va essayer de placer un sort pour contrer l'autre. Voilà. Par exemple, si jamais je décide par exemple, de faire des dégâts à une de ses unités, il pourra répliquer en la rappelant, donc en remettant son unité dans son deck. Voilà. Et ensuite, donc, on a les sorts lents. Donc, les sorts lents, c'est des sorts qui ne se lancent pas instantanément, on va dire, un peu comme les sorts rapides. La seule différence, c'est que si l'ennemi lance un sort rapide, on ne pourra pas répliquer avec un sort lent. Par exemple, si je décide, je sais pas moi, d'étourdir justement une unité avec ce sort-là, l'ennemi ne pourra pas répliquer en lançant ce sort-là, vu que c'est un sort lent. Donc, il ne peut pas non plus être lancé pendant les combats. C'est-à-dire que si on décide d'attaquer, on ne pourra pas lancer de sort lent. Si l'ennemi décide d'attaquer, par exemple si l'ennemi attaque, on ne pourra pas lancer de sort lent. On pourra lancer que des sorts rapides ou des sorts instantanés. Donc le sort lent, c'est vraiment un sort assez, je vais pas dire compliqué à lancer, mais il faut choisir le bon moment, voire même parfois le lancer dès le début, pour éviter que l'ennemi nous en empêche. Et par exemple, si jamais on sait que l'ennemi a un sort lent très efficace, par exemple, je pense par exemple là, à ce sort-là, tuer toutes les unités. Si l'ennemi a ce type de sort, parfois, il vaut mieux attaquer dès le début, sans laisser le temps à l'ennemi de poser des sorts en posant des unités, pour éviter qu'il lance ce genre de sort et pouvoir attaquer. Par exemple, si jamais j'ai 5 unités, que l'ennemi en a 0, et que je décide de poser moi une unité, si je pose une unité, l'ennemi ce sera à son tour de jouer, et il pourra poser ça pour toutes les tuer. Alors qu'à l'inverse, si j'attaque directement avec mes 5 unités que j'en pose pas, et ben l'ennemi ne pourra pas poser ce sort-là. Et donc, du coup, bah, je peux gagner la partie ou alors éviter justement qu'il me tue mes unités trop rapidement. Donc, les sorts lents, il y a un certain mind game dessus. Faut savoir bien les utiliser et savoir quand les utiliser surtout. Ensuite, donc, on a les unités. Donc, les unités, c'est très simple, hein. Je vais essayer de montrer vite fait aussi la conception d'une carte. Donc, par exemple, je vais prendre une carte de champion. Par exemple, je prends Kalista. Kalista, les champions, ils peuvent évoluer dans une deuxième forme, dans une forme secondaire, en réussissant une quête. Donc la quête, c'est ce qu'on voit là. Donc, tout simplement, une carte, c'est composée de quoi? Là où on a les 3 points de mana. Donc c'est-à-dire qu'à chaque round, on va gagner un point de mana supplémentaire, plus ce qu'on avait avant. Donc au tour 1, on a un de mana, au tour 2, 2 de mana, au tour 3 de mana, et ainsi de suite. Et Kalista coûte 3 de mana. Donc pour la poser, il faudra qu'on dépense nos 3 de mana au tour 3. Donc on pose Kalista. On voit qu'elle a l'effet redoutable, donc qui empêche les unités avec une puissance de 3 de moins de la bloquer. Elle a 4 d'attaque et elle a 3 de défense. C'est-à-dire qu'elle va taper 4 points de dégâts sur les ennemis et elle pourra résister à 3 points de dégâts avant de mourir. Et là on voit aussi que c'est un peu une unité des îles obscures. Si on arrive à réussir la quête, par exemple la quête là, c'est j'ai vu au moins 3 alliés mourir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des unités éphémères. Les unités éphémères qui meurent à la fin du round, ça peut paraître un peu bête sur le papier, mais si on a une Kalista et que nos unités meurent très vite dès le début, avec des bonus éphémères, elle va pouvoir level up avec ses 3 alliés qui vont mourir. Et elle va passer du coup à son stade supérieur. Donc là, elle gagne un nouveau bonus, on va dire. Et elle gagne un point d'attaque, un point de défense. C'est très très souvent comme ça. Il y a juste une exception, je vois par exemple Elise. Elise, c'est une des rares exceptions.
Elle, quand elle va évoluer, elle va gagner 2 d'attaque et 0 de défense. Et on va dire que la plupart du temps, on gagne 1 d'attaque, 1 de défense, 1 d'attaque, 1 de défense. Voilà, c'est ça les 3 quarts du temps. Ok, pareil, il me semble. Dans toutes les cartes, il n'y a vraiment que Elise, je pense, qui n'a pas qui a cette particularité-là de gagner plus d'attaque que de défense. Donc voilà, donc toutes les cartes sont constituées comme ça. Donc là, on voit en tout, c'est le score de maîtrise. Donc c'est un truc qu'ils ont rajouté pour bien montrer les main decks qu'on a. Et ensuite, on a par exemple. Moi, par exemple, je suis à main Sivir sur ce. Enfin, je suis à main sur les decks Sivir. J'adore Sivir sur ce jeu. Et d'ailleurs, il me fait penser que je n'ai pas présenté ce sort-là. Donc là, on voit la maîtrise, on voit les 5 points de dégâts. Et ça, c'est la bordure qu'on peut déverrouiller. C'est une sorte de chroma qu'on peut avoir en dépensant des gemmes spéciales qu'on peut gagner gratuitement. Voilà, donc ils sont là. Ça devient du coup une carte un peu prismatique. Et donc ensuite, le mot-clé que j'ai pas présenté, pourtant celui que je vois le plus en ce moment, c'est le bouclier anti-sort. Donc c'est un peu comme le bouclier tout court qui bloque les prochains dégâts qu'on va prendre. Sauf que là, ça marche que sur les sorts. Donc, annule le prochain sort ou compétence ennemie qui m'affecte, simplement. Si l'ennemi décide de nous lancer un sort pour nous tuer, si on a le bouclier anti-sort, ça va la bloquer. Mais le bouclier ne marche qu'une seule fois. Un peu comme le bouclier classique avec chaîne. Avec chaîne. Voilà, donc du coup, je pense que c'est tout concernant les cartes et les champions. Après, ce que je pourrais présenter aussi, c'est les compétences. Alors, les compétences, on va dire que c'était des. Comment dire? C'est des sortes de mots-clés un peu plus faibles, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Par exemple, là, on voit immédiat. C'est une sorte de sort qu'on va lancer quand on va poser l'unité. Donc, parfois, il y a des sortes comment dire? De règles à respecter pour activer le bonus. Parfois, il n'y a aucune règle à respecter. Et parfois, ça donne juste quelques bonus. Par exemple, on a la compétence immédiat. Donc, vous activez cet effet lorsque vous jetez une unité depuis votre main. C'est-à-dire que dès qu'on va sortir cette carte, ça va activer les effets là. Donc, ça va la transformer en insaisissable et il va faire une prédiction. Ensuite, on a au début du round. Donc, ça, c'est à chaque début de round, ça va faire cet effet là. Ensuite, on a la réputation. Par exemple, si les actifs, si on a au moins fait 5 points de dégâts 4 fois. Donc, par exemple, si jamais j'ai tapé 4 fois avec des unités qui ont plus de 5 de dégâts, ça va activer son effet réputation. Et la carte va coûter que 2 jusqu'à la fin de la game. Ensuite, on a l'effet allégeance. Donc, lorsque vous activez cette carte, elle obtient un bonus d'allégeance. Et il faut que la prochaine carte qu'on va piocher, elle soit de la même région. Par exemple, si la prochaine carte qu'on va piocher, elle est de Shurima, ça va activer l'effet. Par contre, si la prochaine carte qu'on va piocher, elle est par exemple si on a fait un deck Shurima Îles Obscures, si elle est des Îles Obscures, ça ne va pas activer l'effet. Voilà. Ensuite, on a les compétences immédiates. Les compétences immédiates, comment dire, c'est un peu différente des sorts instantanés. Comme par exemple enfin, des sorts immédiats. Comment expliquer? Le sort immédiat, quand on va poser cette carte, l'effet va pas s'activer automatiquement. Il va être activé sous forme de sort. C'est-à-dire que j'ai posé la carte, il va y avoir un sort qui va s'activer. Et du coup, l'ennemi pourra contrer ce sort s'il le souhaite. Donc c'est une sorte de sort instantané, enfin une sorte de sort rapide qu'on lance en même temps que la carte. Alors que par exemple, cet effet-là. Il n'y a pas d'icône de sort qui va se mettre. L'effet va se mettre directement, l'ennemi ne pourra pas contrer. Pour le mettre un peu plus simple, pour expliquer plus simplement. L'effet immédiat qui n'est pas des compétences, c'est comme si on lance un sort immédiat. Alors que cet effet-là, c'est comme si on lance un sort rapide. Donc l'ennemi pourra contrer. Voilà. Après, il y a plein d'autres, je n'ai pas pu les expliquer. Vraiment, il y en a vraiment plein. C'est tous les mots en rouge, en jaune. Il y en a vraiment énormément. Mais il faut essayer de les lire et de comprendre un petit peu ce qu'ils font. Et par exemple, là, vaincu, bon, c'est un peu comprendre, hein, donc c'est quand on tue une unité, toutes ces choses-là. Où qu'elle soit, donc ça veut dire que le bonus va s'activer pour toutes les cartes, n'importe où elles soient. Voilà. Même si elle est dans notre deck ou dans notre pioche, elle va s'activer. Et voilà. C'est un petit peu concernant les compétences.
Je vais pas trop rentrer dans les détails, ce serait un peu trop long. Ensuite, on a ce qu'on appelle les classes. Enfin, j'avais pas fait ça vraiment des classes, j'avais ça plus des attributs. Les attributs, c'est ce qu'on a là-haut. Donc, il y en a plusieurs de façon transfigurée. Et ça, bah, c'est tout simple. Quand il y a des cartes qui vont s'activer sur. Comment dire? Oui, j'ai une idée. Par exemple, voilà, faites monter en niveau tous vos alliés transfigurés de niveau 1. Et bah, tout simplement, tous les alliés qui ont ce bonus-là transfiguré, c'est-à-dire ces trois-là, ils vont monter de niveau. Voilà, tout simplement. Pareil pour le disque solaire. Lorsqu'un allié transfiguré passe au niveau supérieur, ils vont monter compte de 10. Donc, c'est toutes ces cartes-là en fait. Ça permet d'activer des bonus sur toutes les cartes qui ont les mêmes attributs. Pour montrer. Plus facilement, je pense par exemple aux poros. Alors les poros, il y a des decks justement qui marchent qu'avec ça. Et voilà, encore, on voit là-haut qui fait poros, 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 c'est tous des poros. Et donc on a des cartes comme celle-là, octroyer plus 1 aux poros alliés où qu'ils soient. Donc si je vais lancer le biscuit, et par exemple si dans ma pioche ou dans mon deck ou même sur le board, il y a des poros, ils vont tous gagner sans exception plus 1. Où qu'il soit. Pareil là, piocher chaque Yeti, Poro ou Ennemi présent dans les 4 cartes de votre deck. Je vais piocher les 4 Poros qu'il y a dans mon deck, donc avec ce bonus-là. Donc les Poros, c'est vraiment un deck très très marrant pour ceux qui commencent le jeu. Si vous cherchez un deck marrant quand vous commencez, faites un deck Poro, ça sera très bien. Surtout que les cartes coûtent pas très cher, c'est toutes des cartes pas forcément très rares à part celle-là. Mais sinon, les cartes coûtent pas très cher. Et ça marche synergie bien avec Brome. Brome qui peut invoquer des poros. Il y en a d'autres. Après, il y a par exemple les decks Yeti. Voilà, donc là, il y a tous les bonus Yeti. Il y a les decks aussi avec les Zelnuk. Les Zelnuk qui sont très très drôles à jouer. Voilà. Puis tous ces attributs-là. Tous ces attributs-là qui vont se buff entre eux. Après, il y en a eu un nouveau aussi, il y a les technologies. Technologies, donc il n'y a que celui-là qui a les mots-clés. Mais après, tu as aussi toutes les tourelles d'Emerging Gear comme mots-clés technologie. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le détail, mais ça c'est les sortes d'attributs pour les unités. Et ensuite, bah, je pense que c'est tout. Il ne me reste plus qu'à lancer une game vite fait. Et après, il y a aussi les modes de jeu, donc vraiment des modes de jeu. S'il y a vraiment un truc que j'adore dans ce jeu, c'est bien les modes de jeu. Il y en a énormément, franchement, il y en a pour tous les goûts. Franchement, il y a un peu. On peut très bien faire des dégâts pour des contre des bots pour commencer. En sachant que les bots sont quand même d'un assez bon niveau. Après, ils ont quand même la chance qu'ils sont avec eux parce qu'ils ont des cartes à chaque round. Des cartes qu'ils peuvent poser, j'ai l'impression. À chaque round, ils ont toujours les bonnes cartes. Du coup, ça fait que les bots sont très très durs à. Enfin, pas très très durs, mais. On va dire, un débutant peut perdre facilement contre un bot quand il commence le jeu. Parce que les bots ont quand même un certain niveau. Ils ont une certaine chance surtout. Et bah ils sont quand même. Ils sont pas idiots quoi, les bots sont pas idiots dans le jeu. Et c'est vraiment très cool de jouer contre certains bots quand on veut tester des decks. Par exemple, moi j'ai créé mon deck le blanc avec Sivir. J'ai fait des games contre des bots et ça marchait plutôt bien. Ensuite on a le mode expédition. Où là on peut créer notre propre deck. Avec des cartes qu'on choisit. Enfin des cartes qu'on choisit. On nous propose des cartes aléatoires et on construit notre deck aléatoirement. Ensuite, on a les défis, donc ça c'est pour tous les que j'ai pas fait. C'est un petit peu le didacticiel quand on commence le jeu. Voilà, donc ça nous explique les cartes. Tout ce que je viens d'expliquer là, il s'explique là-dedans avec les différents mots-clés. C'est vraiment le didacticiel pur et dur. Ensuite, l'épreuve, c'est une sorte de mini tournoi avec des manches gagnantes, tout ça pour les ennemis, enfin, pour les gens qui aiment bien les défis. Et ensuite, on a les tournois. Donc, les tournois, bah, c'est pour gagner justement. Des récompenses plus grandes et être sous les feux des projecteurs, on va dire. Et enfin, les labos, ça, c'est des modes de jeu vraiment classiques. Par exemple, tirage ultra rapide, fil duo, pas de temps partagé. Où là, on peut faire des. On peut jouer à 4. Enfin, on peut jouer à 4. On peut faire du 2v2 en fait. Donc, vraiment, le 2v2 c'est très très cool. Ça permet, par exemple, si on a un ami.
au lieu de devoir jouer contre lui, on peut jouer avec lui. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est juste parfait. Dans ce genre de jeu, j'ai rarement vu ça. Du coup, vraiment pouvoir jouer avec un ami dans ça, c'est très très bien. Alors, pour inviter un ami, par exemple. Voilà. Et ensuite, dans le labo des légendes, donc qui vient d'être mis, je dessine un champion et défie les adversaires les plus puissants lors de cette aventure en solo. Donc là, c'est un peu un mode aventure. Donc là, vraiment, on a trois modes de jeu qui sont excellents. L'URF pour ceux qui veulent faire des parties rapides. Le duo pour ceux qui ont des amis ou qui veulent montrer le jeu à un ami. Le jouer à deux. Et ensuite, le labo des légendes, où là, c'est un peu un mode d'histoire. Et où on combat le bot. Et des bots qui sont vraiment pas bêtes. Et où on peut gagner des bonus avec le temps, enfin, stack nos decks, gagner des cartes un peu plus puissantes, ces choses-là. Vraiment, et puis en plus, la même chose sur le niveau. Le niveau des decks. Voilà, je sais pas pourquoi c'est bug. Mais vraiment, plus sur le niveau. Voilà, voilà, bah, je pense que du coup, j'ai fait le tour sur le terrain. On va lancer une game rapidement. Contre un joueur, qu'est-ce que je pourrais jouer? Un deck où il y a un peu de tout. Je vais prendre mon deck main, hein, pas s'embêter. Hop, Sivir c'est Joanny. Je vais s'expliquer un peu plus facilement. Les différentes possibilités. Pourquoi il y a un Nenuk? Je crois que j'ai pas le bon deck. Je pense que je n'ai pas le bon deck. C'était un deck un peu trop que j'avais fait. Enfin, on est un deck que je connais, que je vais présenter tout. Je pense. Mais voilà, donc là, à la fin de la. Ouais, c'est pas le bon deck. Là, la fin du round, on voit que j'ai gagné un petit peu d'XP. Alors, which de ce deck? C'est bien, voilà, c'est celui-là. Donc là, on est contre Leona Swain. C'est un mec qui va être dans son étourdissement, je pense. On va remplacer ces cartes-là. Donc, au début, quand on commence. On a le choix entre 4 cartes qu'on peut remplacer si elles ne nous conviennent pas. Voilà. Voilà. Je peux juste tomber sur Sivir assez vite. Donc là, pour expliquer, ça c'est les points de vie de notre Nexus. Donc si ça tombe à 0, je perds. Si l'ennemi tombe à 0, je gagne. Là, on voit que j'ai un point de mana et que j'ai un jeton d'attaque. Par exemple, là, avec un point de mana, je peux placer cette carte là. Vu qu'elle a un point de mana. Elle coûte 1, donc là je la pose. Et je perds mon point de mana. L'ennemi, c'est à son tour de jouer. Là, il peut pas rien poser, vu qu'à mon avis, il ne peut pas avoir de carte avec 1. Et vu que j'ai un jeton d'attaque, je peux attaquer avec mon unité que je viens de poser. Et là, il a tapé le Nexus, il a fait un point de dégâts, tout simplement. Si l'ennemi avait pu poser une unité, il aurait pu la bloquer. Et du coup, mon oiseau n'aurait pas tapé. Alors là, ensuite, on voit les petites compétences. Par exemple, quand je suis invoqué, octroyez +1/+1 aux deux premiers alliés de votre deck. Du coup, ça fait que cette carte-là, on voit, elle a gagné +1/+1, tout simplement. Et ça, c'est tous des bonus. Je pourrais attaquer directement pour éviter qu'il pose une unité de son côté. Et il va poser un sort. Bon, je m'en fous un peu de ce sort-là. C'est pas très bien si on me tape avec. J'ai pas beaucoup de chance là sur ce coup. Mais non plus d'ailleurs, je crois. On a vraiment pas de chance. Là, on voit à chaque round, je gagne un point de mana, un point de mana. Mais il faut savoir que quand on n'utilise pas tout notre mana, quand il nous en reste un peu ici, ça va se stocker là au prochain round. Par exemple, si jamais j'avais 3 points de mana que je pouvais rien faire avec, et bah je passe le round c'est fini. Et les 3 points de mana qu'il y avait ici, ils vont se stocker là. Mais ces 3 points de mana là, ils servent seulement à lancer des sorts. On peut pas poser d'unité avec. Ils servent seulement à lancer des sorts. Par exemple, là on voit que j'ai plus de mana ici.
Mais grâce à ces 3 points-là, je peux lancer ce sort-là qui coûte 2, ou ce sort-là qui coûte 3. Voilà, tout simplement. C'est une sorte de petit stock de mana. Donc là, après, vraiment, je peux expliquer toutes les cartes. Là, on a une sorte d'indicateur, enfin une sorte d'historique de cartes qui ont été jouées. Donc, par exemple, on voit cette carte-là, soignez un allié ou votre Nexus de 2 PV, piochez une carte. Il y a plein d'effets différents à voir. Ok, j'ai Sivir. Sivir qui avait encore le bonus du... L'aube se lève. L'éclat du soleil. On va poser Sivir. Du coup, elle a encore le bonus de l'oiseau de tout à l'heure. Du coup, elle a aussi gagné plus 1, plus 1. Vu que c'était les deux premières cartes de mon deck. Là, donc les séquences, c'est les deux premières, du coup il y a eu Ellie, il y a eu Sylvie avec Ellie. Va bloquer. C'est tout. Il n'a qu'une seule vraie lumière. Donc, Aurore qui fonctionne avec Léona. C'est-à-dire les cartes qui sont posées dès le début. La première qu'on pose, elle a l'effet War. Là, c'est l'effet de ce joli. Media, gelé et conférer vulnérabilité à un ennemi pour ses rounds. Donc voilà, donc là j'ai gelé l'ennemi. Donc c'est aussi une compétence, une sorte de mot-clé un peu spécial. Donc là, c'est-à-dire que quand je gèle un ennemi, il a zéro d'attaque. Il peut pas attaquer. Infliger ses points de dégâts à l'unité. Donc là, par exemple, là, il va essayer de me tuer ma séjournée avec les 6 points de dégâts. Moi, j'ai ce sort-là, qui permet de stopper un sort rapide ou lent, ou une compétence. Du coup, je vais la lancer avec mes 4 points de mana qui me restent. Détruire le boss mana. Voilà. Donc là, ça va arrêter son sort. Voilà, donc là je peux attaquer gratuitement. Nous prendrons ce que nous voulons. Comme ça. Donc là pour montrer pourquoi j'ai attaqué comme ça. Que j'ai pas fait attaquer la Léona par la Sire. Tout simplement parce que cette carte là, elle a l'effet régénération. C'est-à-dire qu'à la fin du round, elle va récupérer ses HP. Donc c'est pas grave si elle prend des dégâts. Tant qu'elle meurt pas, elle va se régénérer à la fin. La Sivir, elle a attaque rapide. Du coup, si je la fais attaquer, si jamais l'ennemi bloque avec une unité sur ma Sivir, Sivir va attaquer avant. Du coup, je prendrai pas les dégâts, quoi. Et la Sejuani, bah, c'était la seule qui pouvait prendre des dégâts de l'ennemi. J'ai vu des tours. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait bloquer Léona par entre les deux. On commence déjà à prendre l'avantage avec les unités. On voit que j'ai des boucliers anti-sort, des surpuissances. L'ennemi peut pas y faire grand chose. Barrage d'artillerie. Là, je mets ça comme ça. Et là, du coup, la carte que je viens de poser, j'ai pas montré. Cette carte là, elle fait moins 2 à l'ennemi et allumée vulnérabilité. Vulnérabilité, bon, j'ai pas réussi à trop mal expliquer pendant le truc d'avant. Moi, j'avais bien montré. Donc là, vu que l'ennemi est vulnérable, je peux choisir qui va la bloquer, au lieu que ce soit l'ennemi qui choisisse. Je vais la poser ici comme ça. Alors après, je peux même jouer un peu mieux. Si je pose comme ça, je peux gagner. En plus, j'ai encore ça pour bloquer un sort. Du coup, là, je pense que là, j'ai gagné. Pas faire grand chose. Alors après oui, Sivir, elle a un effet d'évolution comme tous les champions. Tous les champions ont un effet pour évoluer. Moi mon effet c'est que j'ai fait au moins 30 points de dégâts dans la partie. Alors là j'ai pouvoir faire un truc insane. Alors là j'ai gagné, j'ai fait un truc. Là c'est vraiment insane. Cette carte là, elle bloque tous les sorts qui sont lancés avant que je la pose. Donc là je vais lancer ce sort là. Et donc du coup ça va bloquer tous les sorts qui sont là. Donc en fait là j'ai gagné et l'ennemi il pourra rien y faire. Voilà.
Ouais, c'est vraiment un exemple parfait. Les cartes anti-surf. Donc là, je pense que j'ai pu montrer un peu mieux comment ça se passe au niveau d'une partie. On est quasiment à 1 heure de vidéo, là, je vois. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc là, on a gagné des points d'XP. On a gagné, du coup, des manas, tout ça. Ça, c'est pour le coffre hebdomadaire. Donc, tous les jeudis, on peut déverrouiller nos coffres hebdomadaires. Qui s'améliorent, plus on joue, plus ils deviennent des coffres rares. Voilà. Et puis ensuite, on gagne donc des points d'XP pour les maîtrises de nos champions. Alors, est-ce que je peux... Je sais pas. Là, je vais juste faire ça pour vous montrer les coffres. Je vais faire exprès de perdre. Juste pour montrer vite fait les coffres. Ok, parfait. Donc là, du coup, vu que je gagne mes 100, hop, je vais déverrouiller un coffre. Et du coup, je vais déverrouiller ça, je paye dans mes récompenses. Hop, il est ici. Là, donc, du coup, je gagne deux cartes pour déverrouiller des cartes classiques et des cartes rares. Tout simplement. Bon, bah voilà, c'est une petite vidéo, enfin, petite, une grosse vidéo de présentation de Runeterra et des différentes cartes. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne dernièrement dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir pour en apprendre un peu plus sur ce jeu. Il est disponible du coup sur mobile et sur ordinateur, sur PC. Donc vraiment un jeu de stratégie très très complet. Il n'y a pas de pay to win, enfin il y a un petit peu de pay to win puisqu'on peut acheter des jokers, mais les jokers sont limités dans le temps. On peut pas acheter autant de jokers qu'on veut tout le temps. Donc ça limite un petit peu, on va dire, les abus et les personnes qui achètent plein de cartes super rares dès le début et qui défoncent tout. Là non, là on est vraiment restreint dans l'obtention des cartes et il faut vraiment jouer beaucoup pour déverrouiller toutes les cartes. Après, bah, franchement après il y a le classement. Donc classement, donc on voit les meilleurs joueurs, on peut voir leur deck, toutes ces choses-là, peu importe le meilleur deck. Et ensuite, bah, on a là-haut... notre profil avec les cartes qu'on a, notre rang, toutes ces choses-là. Bon, j'ai pas trop joué en enquête cette saison parce qu'il y avait des cartes vraiment trop fortes. Il y avait des decks avec Irelia, Azir qui défonçaient tout. Enfin, ça donnait vraiment... Les trois quarts de mes games, c'était contre des Azir, Irelia. Donc, j'ai pas beaucoup joué cette saison, mais je pense que je vais essayer de jouer plus là prochainement. Avec les decks Rek'Sai et Pai qui vont bientôt se faire nerf. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des decks que vous aimeriez tester. Je mettrai moi aussi des decks assez faibles en coût, donc des decks qui sont très simples à mettre en début quand on commence le jeu, si ça vous intéresse. Et donc ils seront en description. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur certains types de jeux ou sur certains types de decks. Bon, il n'y a pas de problème, j'essaierai d'en faire. Voilà, donc c'était Ramus Tattoo, et on se voit pour une prochaine vidéo.